Pouvez-vous faire l'école à domicile à votre enfant? Et n'hésite pas à poser ta question sur défendtesdroits.fr. Concernant les références, on retrouve l'article L131-5, R131-11 et D131-11-13 du Code de l'éducation. En principe, l'école à la maison n'est possible que pour certains motifs, notamment l'état de santé de l'enfant, la situation du handicap de l'enfant et la pratique d'activités sportives et artistiques intenses de l'enfant. Mais pas que, car une autorisation auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale est nécessaire depuis septembre 2020. Elle vient remplacer le régime déclaratif qui continue à s'appliquer pour un enfant instruit dans sa famille durant l'année précédente. Dans cette hypothèse, un contrôle psychologique est initié par le DASEN. Si les résultats sont jugés suffisants, vous allez pouvoir obtenir une demande de dérogation pour 2022, 2023 et 2023-2024. En revanche, si vous souhaitez dispenser l'école à la maison à votre enfant durant l'année 2022-2023, une autorisation sera requise. Mais ne pensez pas que l'école à la maison est exempte de contrôle. Des contrôles restent toujours possibles à la fois de la part du maire et du DASEN, notamment pour évaluer la situation de l'enfant et de sa famille. Sachez que si vous donnez à votre enfant l'instruction à la maison sans y être autorisé, vous risquez une amende de 1 500 €. Bref, si t'es resté jusque-là, marque autorisation et me remercie pas. Abonne-toi et like aussi.